comme vous verrez en faisant un peu le tour de l'exposition, je travaille sur à peu près, pour différencier grossièrement, sur deux techniques, qui est la peinture sur tableau et puis les collages. Ces deux modes de présentation évidemment sont fort différents, c'est pour ça que j'en joue. Je passe du tableau au collage, du collage au tableau, et chaque discipline apporte à l'autre une nouveauté régulièrement. Ça se développe comme un récit. Un récit conditionné par une dimension strictement matériel, c'est-à-dire la grandeur du mur. Souvent, quand je fais des expositions, il y a toujours des collages de ce genre. Et quand j'ai la chance de les faire un peu à l'avance, je demande la mesure des murs et à la limite, j'adapte la composition au mur. Ce mur est fait 8 mètres. Donc, en gros, ma première composition, je vais faire 3 mètres. Je vais donc rajouter 5 mètres de plus de part et d'autre. Si le mur avait fait 20 mètres, j'aurais fait 20 mètres. Et s'il avait fait 1 mètre, j'aurais fait 1 mètre à la limite. Vous voyez, donc il y a ce côté qui est très particulier au collage, c'est-à-dire qui est quand même qui est posé dans l'espace, tandis que la peinture, le tableau, c'est fort différent. C'est une chose qui pense à l'intérieur et qui met plutôt en cause des notions de transparence, d'épaisseur, de choses comme ça. Le collage, c'est un problème d'extension, c'est un problème entre autres spatial.